c'est le moment de finir. Alors, vos enfants, on vient à peine d'achever la réunion technique et au groupe Obofix, on a à cœur de finir la saison de la meilleure des façons possibles. C'est vrai qu'on sort d'une contre-performance côté de Douala, mais c'est la séparante. Et il est important de finir vraiment avec les trois points dans la poche, avoir au moins la troisième place de cette compétition. Non, je ne peux pas dire qu'on est satisfait. On avait tout pour réussir. Malheureusement, le sort en a voulu autrement. Oftan nous a supplanté grâce à l'unique but de la rencontre. Ouais, justement, ça empiétait justement à ce qu'on attendait, qui était justement atteindre l'objectif escompté, qui était la montée. Et néanmoins, vu l'état d'esprit du groupe, il a fallu que nous nous remobilisions le plus rapidement possible pour pouvoir jouer justement le match de classement. Et je pense que on ne peut que se concentrer sur ça maintenant et on garde toujours ce goût amer. Mais après tout aussi, c'est la vie. Et on fait avec. Il y a certains joueurs malades, mais sinon, le reste de l'effectif est en place. Ils sont prêts pour vraiment finir les saisons en beauté. Tant que ce n'est pas encore fini, et ils ont toujours le mental. C'est ça, avec mes joueurs, ça a été toujours comme ça. Donc, c'est des guerriers. Je dirais que pour le match d'aujourd'hui, tout le monde est dans un état d'esprit positif parce qu'il fallait qu'on finisse la saison en beauté, qu'on finisse la saison par une victoire, qu'on finisse la saison étant bien, malgré que tout ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, par une montée. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon dans la vie et on apprend de ses erreurs. Donc il est important pour nous aujourd'hui de finir par une victoire. Il faut
C'est là-bas que notre problème commence. Parce qu'on arrive à aller continuer défensivement. Il faut tirer des leçons. On va froidement se calmer. Ça fait pratiquement 2 à 3 saisons qu'on échoue comme ça au pied du podium. Mais bon, c'est aussi ça le foot. C'est aussi ça le foot. On tire les leçons et on va certainement rebondir. On a une équipe de no-name. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont grandi, qui ont compris ce que c'est que la compétition de haut niveau. Et nous espérons revenir beaucoup plus fort.